Bonjour à tous, à toutes et les autres. Bienvenue à ce septième épisode du Road to Glory RTG Edition. Aujourd'hui, ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas enregistré FIFA. Je vous présente tout d'abord la nouvelle équipe avec qui on va jouer aujourd'hui. C'est une équipe assez exceptionnelle. J'ai grindé dans les dernières semaines slash mois. Vous allez voir à quel point l'équipe a changé. Donc, on y va. On commence ça maintenant. D'abord, dans les buts, Emiliano Martinez. Défense droite, James Tavernier. 170 matchs joués dans le club. C'est, je crois, le joueur le plus utilisé depuis maintenant le début du RTG. Ensuite, Virgil van Dijk. Plusieurs joueurs professionnels de FIFA considèrent cette carte-là comme une des meilleures du jeu. Raphaël Marquez, ou Marquez, désolé si je vous ai offensé. João Cancelo, 96 matchs de jouer dans le club. Il est très 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 bon, il est rapide, il est efficace. Si on arrive au milieu de terrain, on a Ilkay Gundogan. Donny van de Beek, que j'ai eu récemment dans un défi. Et j'ai aussi Jack Willock. Joe, pardon. Joe Willock, je me suis trompé de frère Dalton. À l'attaque, je joue Gianfranco Zola, rapide mais très petit, se fait tasser du ballon assez facilement. On a aussi Tim Cahill, le maître des finesse shots, donc des tirs qui courbent. Et finalement, nul autre que Cristiano Ronaldo. C'est oui! 143 matchs, 141 buts. Et sur le banc, en changement, on a Alphonso Davies. J'ai Martin Odegaard aussi comme substitution offensive. Hidetoshi Nakata que je viens d'avoir. J'ai Moussa Diaby, 90 overall, 99 de vitesse. J'ai Luis Diaz que je viens de faire. Je ne l'ai pas encore essayé là, dans aucun match en ligne. J'ai Darwin Núñez aussi. Et Gareth Bale. C'est le meilleur joueur de coup franc que j'ai dans l'équipe. Et tout ça pour dire que Thomas Brolin ne joue plus pratiquement la légende du club. On va probablement lui donner quand même du temps de jeu d'ici la fin du RTG pour qu'il puisse nous remémorer d'excellents souvenirs. Quand même 59 buts en 73 matchs, c'est une légende du club. D'ailleurs, le dernier épisode cette année du Road to Glory va probablement être un épisode où on va élire les légendes du club. J'ai bien bien hâte de faire ça. On commence sans plus tarder une petite partie en ligne. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à me donner à 150% sur ce terrain pour vous, mes fans. Donc on joue contre une équipe majoritairement or, mais ça veut rien dire. Des fois aussi, il faut forcer un peu le. Oh my god. Ça commence bien. C'est l'heure de faire embarquer Nakata à la place de Zola. Pas la meilleure passe que j'ai vue de ma vie. Ma défense dort au gaz, là, ça n'a pas de sens. What the fuck? Let's go Nakata, let's go. Quand je vous dis que c'est lui la machine, c'est lui le scoreur là, depuis une coupe de game là. Il pourrait possiblement être un coup franc dangereux en position de marquer. L'heure de faire embarquer la légende. Gareth Bale. Feinte de tirer. Let's go! Nakata, encore lui, la légende. Oh my god. It is a
Essaye de quoi? Si ça rentre, c'est complètement. Ah, j'ai manqué ma feinte. Come on, Gareth Bale, baby. Oh! Oh! Oh, ben là. Cochon, ça. Cochon. Nope. Nope. No way. Well, adding up all the stoppages, we will have 2 extra minutes. Cancelo. Could be. Oh, and looking back now, surely. Full time, it ends at a victory for the home. No complaints. Une match victoire de 4-2. Entre les parties, j'ai demandé à certaines personnes de m'envoyer des questions. Je vais prendre 3 questions qui m'ont été posées par les gens. Je vais les écrire et vous dire la réponse. Donc, la première question est, vous avez à gagner une médaille d'or dans une discipline. Laquelle serait-elle? Excellente question. J'aurais tendance à dire la personne qui est le moins capable de se retenir à pisser. La deuxième question qui m'a été posée, c'est quelle est ta chanson préférée? C'est une question assez difficile parce que j'aime vraiment beaucoup de types de genres musicaux. J'aurais tendance à dire elle s'appelait Serge des 3 accords. Finalement, on m'a demandé la question quel est ton signe astrologique? Alors, côté astrologie, je m'y connais pas trop, mais après avoir consulté sur internet, je suis Taïa l'ascendant, va chier. J'en profite pendant que la partie load pour vous demander de vous abonner, s'il vous plaît. Je sais que je le dis d'habitude à la fin des vidéos, mais apparemment, selon l'algorithme YouTube, c'est mieux de le demander pendant. Passe fancy, il se passe bien le ballon. Jesus Christ, c'est quoi cette quantité de passe-là? Oh, quelqu'un qui se passe beaucoup le ballon de même, ça me donne envie. Oh, puis, oh nice, il hit le greedy en division 8. Oh là 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 là, cette game-là va me frustrer. Vous allez peut-être voir un rage quit. Je peux pas passer le ballon quand il pas le ballon. Mauvaise passe. Oh, no way, no way. Oh, wow, il a arrêté ça. Non, oui, il a tiré sur sa pin. Quoi? Il avait le but ouvert. Hey, boss. Courir en avant, cours. Yes! Plenty of support here. Nakata. Yes! Yes! Quelle substitution incroyable! Non. Greedy ça! Greedy ça! Tu es un greedy quand tu prends l'avance 1-0.
désormais l'heure des questions du public. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est quel est ton personnage préféré d'animé? J'aurais tendance à dire Cruella dans les 101 Dalmatiens. Quel est ton breuvage préféré? Excellente question. Le Gatorade bleu à égalité avec le dernier album d'Éric Lapointe. Alors les amis, match numéro 3, on affronte Sandwell Don. Allison dans les filets. Ok, quand même. Oh, oui. Beaucoup meilleure équipe là, que ce qu'on a pu voir dans les derniers avec des icônes. Oh. Van Dijk est le meilleur joueur des gars. Hein? J'ai tellement été mauvais défensivement là-dessus, j'ai tellement été mauvais. On Bale, quelle machine. Gareth Bale encore, le magicien. Tellement tannant comme style de jeu, ça marche. C'est imbloquable. Fuck off. J'aurais jamais dû perdre ça. Jamais, jamais, jamais. Merci d'avoir regardé cet épisode du RTG, épisode numéro 7. Le 8e devrait sortir sous peu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.